Nous voici dans la cuisine. Cuisine, donc bien lumineuse. Cuisine qui peut servir éventuellement aussi de séjour, un coin séjour, enfin tout dépend. Modulable. Voilà donc la vue sur la rue de la mairie. Voilà, donc ici c'est le porte d'entrée. Voilà, donc l'escalier qui donne à l'étage. Donc là, l'escalier qui donne à l'étage, voilà. Donc on arrive au premier étage. Et nous avons la salle de bain. Salle de bain. Enfin, salle d'eau. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de baignoire, pardon. L'emplacement pour la machine à laver. La douche. Deux vasques. Voilà. Toujours un petit peu de chantier à faire. Un petit peu de rénovation. Interrupteur à changer, voilà, des bricoles quoi. Donc voilà, ensuite nous sortons à côté de la pièce de la salle d'eau. Une autre chambre qui peut servir de séjour ou de chambre. Avec placard. Placard. Voilà. Là, un petit tour. Porte. Voilà, donc maintenant on continue notre petit périple. Deuxième escalier qui donne aux deux chambres sous comble qui sont en travaux. Celle-ci, peinture, peinture de la frisette, du lambris. Voilà, peinture du lambris. Et puis faire peindre les deux murs aussi, hein. Jaune et vert, là c'est pas top. Voilà. Donc toujours bien lumineux. Aujourd'hui il pleut. C'est encore la fin des 5 glaces. Voilà, un petit 10 degrés dehors. C'est pas top pour un mois de mai. Deuxième chambre, toujours sous comble. En cours de peinture, hein, plafond, frisette, lambris, pareil que l'autre. Voilà. Donc chauffage aux deux étages par radiateur, donc au fioul, hein, il faut dire à fioul. Voilà, donc je redescends. Et voilà, petit tour dans ce petit triplex sympa. Bon, ça convient à des jeunes plus que des personnes âgées. Hein. On comprend pourquoi. Des escaliers, mais il est un peu atypique, voilà. Donc ici, nous avons un chauffage donc au sol, plancher chauffant. Donc là, voilà, c'est très très bien chauffé l'hiver.